Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Henrik 21. Aujourd'hui, on va parler des spoilers du chapitre 1105 de One Piece que j'ai attendu toute la journée, mon frérot. Patiemment, en travaillant, j'allais sur Twitter pour voir si on avait peut-être des infos sur le chapitre de cette semaine, sur ce qu'allait nous livrer Eiichiro Oda. J'ai pas fait ma review la semaine dernière et je m'en excuse. J'étais occupé par mon travail, mais je suis là de retour pour traiter les toutes nouvelles informations qu'on a à propos de One Piece. Bien sûr, si tu aimes cette chaîne, avoir les spoilers le mardi, le résumé complet le mercredi et ta review le jeudi, t'hésites pas, tu t'abonnes, Henrik21, t'actives la cloche, tu mets des likes et tu soutiens le spoiler Jackson. C'est grâce à vous les gars qu'on est jusqu'ici, alors Henrik21 vous remercie. Cette semaine, la vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Alors CyberGhost VPN, c'est CyberGhost VPN, comme tu le sais car tu es intelligent, un VPN est un logiciel bien utile et bien pratique qui vous permet une navigation sur Internet en toute sécurité. Pour éviter de se faire pirater ses rois de poneglyphe comme le contre-barbe noire ou d'être victime de sites malveillants, une des meilleures solutions est d'utiliser un VPN, un réseau privé virtuel. CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic Internet via un tunnel sécurisé. Sabo a été sauvé de Motherflame grâce à CyberGhost VPN. Vous pourrez vous déplacer n'importe où dans le monde comme Bartholomew Kuma, car oui, CyberGhost VPN vous permet d'accéder à des sites et plateformes géographiquement bloquées. Décuple le pouvoir et l'éveil de tes abonnements grâce à CyberGhost VPN. Tu vas pouvoir avoir accès au catalogue complet, contourner les limites géographiques de toutes les plateformes de streaming préférées. Disney+, Netflix, Amazon Prime. Le Netflix US est 40% plus grand que le Netflix français. Tu pourras regarder l'intégralité de One Piece sur le Netflix japonais. Tu peux également avoir YouTube Premium pour 1,50€ en te connectant avec une IP indienne. Un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, afin que vous puissiez le partager avec vos nakamas, votre famille ou les 7 Shichibukai. Il y a une garantie de remboursement de 45 jours, un service hotline en français 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La qualité, mon frérot, que CyberGhost VPN compte plus de 38 millions d'utilisateurs, notamment parce qu'il est très facile à utiliser. CyberGhost VPN a 5 étoiles sur Trustpilot. Aujourd'hui, CyberGhost VPN vous fait bénéficier d'une offre incroyable, 2,03€ par mois, 4 mois gratuits, soit 83% de réduction avec cette offre si tu cliques sur le lien en commentaire et en description, mon frérot. Vous trouverez le lien en commentaire épinglé sous-dessous et en description. Alors abonne-toi. Voilà, merci à eux pour le sponsor de cette vidéo. On va attaquer maintenant les nouvelles, parce que oui, on est là, on a des informations, on est sur Ex-Id, mon frérot. Saturne a balancé un Buster Call. Et qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre? On avait pas mal de théories concernant le personnage de Luffy. On voulait tous qu'il rejoigne un petit peu ce golem venu du passé avec la technologie du futur. Et il n'en est rien. L'information qu'on a, c'est que Luffy s'est jeté contre le distributeur de bouffe qu'on a vu au début de l'arc. Très certainement qu'il a faim, très certainement que la bouffe que lui a donné Kizaru ne suffit pas. Et il n'y a rien d'exceptionnel, c'est un petit peu un pétard mouillé de la part de l'auteur concernant l'absence de Luffy. On avait tous imaginé qu'il se préparait pour la suite du combat alors qu'il n'en est rien. Oda nous tourne un petit peu en bourrique sur la fin de cet arc Ex-Id. Je vous rappelle qu'il y a énormément de choses développées. Barbe Noire, on en parle à la fin de cette vidéo, on en parle à la fin de cette vidéo. Le golem, potentiellement d'autres choses qui peuvent arriver à la fin de Ex-Id. Quel est cet événement qui a mis le monde sans dessous-dessous? Voilà, on est là dans le climax un petit peu de cet arc pré-saison finale. Et on voudrait bien sûr aller sur des réels débouchés et le combat contre Saturne. On sait que Kizaru va péter le tuyau qui mène directement à la base centrale de Ex-Id. Il le pète pour empêcher une retraite des Mugiwara. Donc voilà, ils vont pas passer par là. On sait très bien qu'il y a Kuma, ils peuvent être téléportés, donc ça ne sert à rien de briser ça. Il devrait y avoir des échanges de coups entre Sanji et ce très cher Kizaru. Donc voilà, les fans de Sanji devraient kiffer le prochain chapitre. C'est vrai qu'il n'a pas vraiment été mis en avant dans cet arc d'Ex-Id, mais voilà, Sanji est un personnage qui se fait attendre. C'est une fleur qui a besoin d'amour et de nectar pour pouvoir éclore et donner le meilleur de lui-même à la fin de l'arc. Donc bravo aux fans de Sanji, hein.
entre Sanji et Zoro. C'est vrai que j'aime bien le personnage de Sanji, parce que Zoro, voilà, c'est un peu le personnage badass créé pour le fan lambda, alors que Sanji, il a une autre subtilité, une autre essence qu'on ne retrouvera pas, peut-être, dans tous les autres mangas. La fin de ce chapitre, on voit normalement aussi pas mal d'autres scènes qui vont se passer sur Exide, mais le spoiler se concentre uniquement sur la fin, et notamment sur un des bateaux contenant des scientifiques et des habitants d'Exide qui a réussi à un petit peu s'enfuir de l'île et qui est rattrapé par un bateau de la marine. Bateau de la marine détruit par un certain personnage. Et un des marines appelle, tente de communiquer pour prévenir Kizaru en disant la simple phrase « il arrive ». Est-ce qu'il arrive au singulier ? Est-ce qu'ils arrivent au pluriel ? Est-ce qu'on parle d'un membre de l'équipage de Barbe Noire ? Est-ce que nous parlons de la flotte de Luffy ? Il y a aussi pas mal de théories autour de la flotte qui finalement viendrait, entrerait dans l'histoire à ce moment-là pour un petit peu revenir sur la phrase du narrateur qui avait dit que voilà, cette flotte, en parlant de la flotte de Luffy, serait à l'origine d'un bouleversement qui devrait chambouler le monde. Hein. C'est quelque chose qui revient assez souvent depuis cet arc Exide. Et finalement, c'est peut-être aussi les deux qui ont fumé un dragon céleste. On l'a vu dans le flashback de la dernière rêverie. Un Ton Tata et un autre de la famille des je ne sais quoi qui a mis un coup de pied et qui a écrabouillé directement un dragon céleste. Et est-ce que la flotte de Luffy a tué un dragon céleste ? Est-ce que ça, le chamboulement dont l'auteur nous parlait à la fin de Dressrosa ? Ou est-ce que c'est cet événement finalement de Exide que l'auteur tease ? Est-ce que c'est les révolutionnaires, dragon qui ne bouge jamais ? Est-ce qu'il a décidé de bouger, de se rendre directement sur Exide ? Dragon, les révolutionnaires ou la flotte de Luffy, n'hésite pas à m'en parler directement en commentaire, ou est-ce que c'est complètement autre chose ? Shanks le Roux ? Est-ce que ça pourrait être la Cross Guild, finalement, qui se déciderait à venir ici ? Ou un autre amiral ? Voilà, tout le suspense de ce chapitre va être concentré sur ce point, donc n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, à liker, commenter, partager pour toutes ces vidéos que je vous transmets chaque semaine, et ce depuis 2 ans, les amis. Et pour le reste, je vous souhaite une agréable journée, puis je vous dis à demain, puisqu'on aura le résumé complet avec toutes les informations pour pouvoir avoir un petit peu plus de visu, de visuel et d'informations sur le prochain chapitre de One Piece. Merci. Et surtout, merci aux sponsors de cette vidéo, CyberGhost VPN. Alors n'hésite pas, si tu veux une connexion complètement sécurisée, tu cliques dans ma description ou en commentaire épinglé pour pouvoir directement avoir une offre promotionnelle de 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits avec CyberGhost VPN. Merci à eux pour le sponsor de cette vidéo.